Alors, c'est comme ça que s'amorce ce Game Focus Show cette semaine, et c'est le moment de retrouver mon collègue Steve Tremblay. Bonjour Steve! Ouh. Bonjour Fred, salut, salut. Très heureux de te retrouver cette semaine pour le GF Show. Écoute, l'émission a roulé sa bosse avec une formule un peu différente. Ça a été l'occasion de voir des nouveaux visages Ah sur oui. GF, toujours bien agréable, dont René, Nick, Francis, etc. Mais cette Yes. semaine, le duo dynamique est de retour, donc Batman et Robin, toujours sans nommer qui est Batman et qui est Robin, c'est très important Oui. pour moi. Oui, on garde le Oui, mystère. tout à fait. Alors, Steve, sans plus attendre, je sais que tu as scruté le web et GF, bien sûr, pour nous dénicher des nouvelles intéressantes. Exercice que j'ai fait moi-même. Et puis, tout de suite après l'identification, on attaque immédiatement le bloc des actualités commentées. Alors, Steve, c'est le moment de commenter l'actualité jeux vidéo. Et si tu as écouté le GF Show de le dernier, donc il y a 2 semaines, dans l'intro, on disait il y a des semaines qui sont bonnes et c'est vraisemblablement pas cette semaine parce qu'il n'y avait pas eu grand nouvelle. C'est pas le cas cette semaine, Steve. En fait, on a eu le notre défi était bien plus de trier l'information Exact, ouais. plutôt que d'en enlever, donc plutôt que d'en choisir. Donc, quelle est la première actualité cette semaine qui a retenu ton intérêt? Bien évidemment, c'était difficile de passer sous silence le premier anniversaire de la Nintendo Switch. Hein, parce qu'on a franchi, on a traversé le 3 mars 2018, voilà quelques jours. Bonne fête, Ouais, il faudrait bien, mais bon. On va s'abstenir. Mais oui, c'est ça, déjà un an pour la Switch, quand même, qui avait été lancée donc 3 mars 2017. Un an. Oui. Plus de 14 millions de consoles vendues quand même, déjà Incroyable. éclipsé à la Wii U, 478 jeux Switch déjà lancés, bon, pas tous des jeux Switch originaux, mais quand même 478 jeux Plusieurs offerts. jeux mobiles tirés de Steam qui se vendaient 1,95 sur Steam et 10 $ sur Switch, mais je veux pas lancer le débat. Non, mais c'est quand même correct. Oh. Effectivement, oui, il y a de l'abus là-dedans. Ça sera peut-être un sujet d'un vidéoblog à un moment donné, ou des jeux Android vendus 15 Par piastres contre un 2 toi-même. 3 piastres. Ah oh, oui, je peux le faire. Je vais m'en charger. Parce que c'est vrai que c'est le fun qu'il y a eu une offre là-dedans. Je trouve ça bien le fun pareil. Il y a du choix. Tu le veux pas, tu le prends pas. Tu n'es pas obligé de Ça, c'est payer vrai. 15 piastres. L'offre est là. Je t'ai rempli la table, là. Il y a plein de repas, puis il y a plein de bouffe. Là, c'est comme un repas du jour de l'an. T'es pas obligé de demander du pâté à Non, viande non. avec des chips barbecue, là. Tu peux prendre juste Écoute, le c'est un pâté gros si tu veux. buffet, puis de toute façon, Steve, c'est ce qu'on disait de la Wii U avant, qu'il n'y en avait Ah oui, pas, c'est puis ça. là, il y en a. Ben, c'est Faut ça. Fait que là, il y se en a pour plein. brancher, C'est ça. Ils ont accueilli à fond, ils ont embrassé les développeurs indépendants qui sont là à fond, les éditeurs tiers qui embarquent de plus en plus, Capcom qui a lancé plein d'affaires, qui prépare des trucs aussi, Bandai Namco. Il y a plein de trucs qui s'en viennent comme ça. Puis, faut croire qu'il y avait un besoin, faut croire qu'il y avait une demande de consoles hybrides comme ça, d'un système comme Moi, ça. après un an, Steve, je fais mon mea culpa, je n'y croyais pas. Ah. Je te le dis, j'ai eu la Switch, pareil. Au début, j'y croyais pas. Puis aujourd'hui, après une année complète, je regarde ça puis je me dis, ouais, c'est pas vilain. Je comprends. Non, je me surprends. Finalement. Non, c'est ça. Je Non, me c'est ça. surprends à y jouer puis à aimer ça. Bon, regarde. Je l'ai dit. C'est dit. Ouais, c'est fait, c'est fait. Mais tu sais, et sans surprise, évidemment, tout le monde le sait, les habitudes Game Focus, j'ai embrassé à fond la technologie, l'offre offerte par Nintendo avec la Switch. Je regardais ça, j'ai 38 jeux là, que j'ai dans ma Hey, Switch. Colin! Ouais. Fait que je n'ai vraiment beaucoup, puis j'aime ça, puis ce qui est le fun, c'est je vais finir avec ça, mais c'est juste le fait de pouvoir replonger dans des jeux longs que je pouvais plus faire, l'offre de me lancer dans un jeu, d'un RPG, c'est d'un jeu de rôle qui prend 50, 60 heures, 40 heures, je pouvais plus faire ça, j'avais pas le temps avec le travail des enfants, puis tout, puis non, 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 la réalité 2018 de M. Tremblay, mais là, avec la Switch, je peux refaire des trucs comme ça, fait C'est que quoi, déjà là, Steve? je suis C'est le pour fait ça, que tu là. peux apporter la console avec toi? C'est ça qui a tout changé pour toi? Ah oui, c'est ça qui a tout changé. Le fait de me jouer, tu sais, la dernière fois, tu dis, on a déjà parlé une fois dans d'autres émissions d'avoir un jeu qui est lancé, mettons, sur, je pense, anciennement, mettons, sur la Wii U. Puis là, il lançait la version légère ou amincie sur 3DS. Où tu avais un jeu qui sortait, mettons, sur 360. Il y avait une C'est version pas le mobile qui vrai. existait.
sur 3DS, mais tu sais, plus finaux un peu. PSP, mais t'es pas comme PS3. Mais là, t'as le vrai jeu, la vraie version que tu traînes avec toi. Fait que ton gros jeu que tu t'amuses avec à la maison. Fait que moi, je vais continuer. J'ai eu le temps de jouer juste une demi-heure. Quelqu'un, il a pris à TV, c'est bon. Je pars avec ma Switch, je continue sur le divan. Ah, oh, demain, il faut que je m'en aille à telle place ou sur mon heure de dîner au travail. Bon, je vais continuer ce bout-là. La portabilité de ça, de fait de le continuer partout, c'est le fun. Puis, mettons que ça fait, je sais pas moi, 2 jours que tu joues tout le temps en portable, parce que ça n'a pas à donner que tu le plugues dans la télé, puis tout ça. Tu mets ta Switch dans la télé, pouf, hein, crime, c'est vrai que c'est hot en gros. Alors, toi, je vais pas jouer en gros de même. Avec la Pro Controller, c'est le fun. Oh, tu la reprends dans tes mains. Je sais pas, c'est. T'as comme un, à chaque fois, tu sais, comme quelqu'un qui a pas de mémoire ou qui a la mémoire pas longtemps, là, tu sais, là. À court terme, je sais pas trop, là. Hey, salut, t'es là. Ouais, genre, ouais, en plein ça. Fait que je suis comme Doris, moi, dans les mots. Je suis un peu comme Doris dans Nemo. Fait qu'à chaque fois que je fais ça, je fais comme oh, t'es donc ben cute, toi, t'es donc ben fun. C'est donc, officiellement, donc bravo à Nintendo d'avoir cru d'avoir à son produit puis d'avoir tout fait ce qu'il fallait pour la rendre populaire. Je pense qu'il n'y a pas eu de grosse erreur de commise de la part de Nintendo. J'ai encore mes doutes, mais sont, je ne veux pas me lancer là-dedans là sur le service payant en ligne. On aura l'occasion, moi et toi, d'en reparler très certainement de ça. Mais pour le moment, tout va bien pour Nintendo et ça vend bien, puis on l'apprécie beaucoup. Donc, bonne fête, une année pour la Switch. Steve, de mon côté, j'ai un sujet peut-être un peu plus lourd, mais j'ai bien hâte de t'entendre là-dessus. On sait que de l'autre côté de la frontière, il y a un président américain qui ne fait clairement pas l'unanimité. Je parle ici de Donald Duck. Donald Trump. Donc, en fait, suivant la tragédie de Floride dernièrement, une tuerie de masse, encore une fois, dans une école secondaire où 17 jeunes gens en début de vie, en fait, sont décédés dans des circonstances vraiment poches, là, qu'on pourra jamais comprendre, surtout de ce côté-ci de la frontière. Alors qu'on est encore en train de réfléchir sur un bilan de tout ça, puis donner un sens à quelque chose qui n'en a pas, selon moi, si tu me demandes. On questionne à peine les armes à feu, le contrôle des armes à feu, que tout de suite, on se retourne encore une fois vers la proie facile, c'est-à-dire les jeux vidéo. Alors, on constate que le jeune qui a commis ces actes-là jouait des jeux vidéo, Steve, comme 95% des jeunes aujourd'hui qui ne commettent pas d'actes, en fait. Je suis sidéré de voir encore cet amalgame facile, de ce regroupement facile de dire... voilà, c'est la faute des jeux vidéo. Donc, il y aura une rencontre officielle entre l'ESA, donc l'Entertainment Software Association, et l'équipe de Trump pour en venir à un dialogue. C'est sûr que l'ESA va essayer de contrer les sanctions que pourrait, pas des sanctions, mais des mesures que pourrait obliger l'administration Trump face aux jeux vidéo. Et j'espère que tu auras compris la même chose que moi. La NRA, la National Rifle Association, qui est très forte et qui a clairement mis Trump au pouvoir là-bas financièrement, c'est connu, là, a très certainement pesé lourd dans la balance en disant c'est bien plus facile de trouver un autre coupable, donc les jeux vidéo, plutôt que de resserrer le contrôle des armes à feu. Donc, je trouve ça plate qu'on en fasse encore les frais. Je ne sais pas si tu as déjà eu l'occasion de réfléchir à tout ça et quelle serait ton opinion sur le sujet, mais bon, je trouve ça dommageable. Je pense qu'à la fin, on va quand même être raisonnable, puis que les instances là-bas vont raisonner, mais c'est trop facile. Mais tu sais, j'ai quand même confiance quand même en l'ESA. Je trouve que point de vue régie en général, pour driver un peu les choses, je les trouve quand même assez efficaces là-dedans. Tu sais, même encore le tu sais, je trouve qu'ils sont quand même à l'écoute des gens en général, des médias, pis ces trucs-là, c'est... Eux, encore... peut-être, mais Trump, c'est une autre histoire. Ben, c'est ça, mais, tu sais, veut dire, ils sont pas tout seuls, tu sais, veut dire, c'est pas juste un dos tout seul dans son sous-sol qui fait ça, pis j'ai rien contre les dos tout seuls dans le sous-sol, je suis là présentement. Mais, tu sais, c'est ça, mais... À travers tout cela, en même temps, je trouve ça plate que ça soit encore le jeu vidéo violent qui fait que c'est ça. Mais tu sais, si tu banalises, pas tu banalises, mais tu veux couper à chaque fois le média qui est violent, on pense, tu sais, avec quand on disait, oh, le heavy metal qui faisait des torts, c'était la musique metal, c'est pour ça qu'il a fait ça. Ah, tant qu'à ça, faut couper aussi les films violents, les séries violentes, les vidéos YouTube que les jeunes regardent. Très violent. Il y a n'importe quoi avec plein de trucs violents là-dedans.
sais, à un moment donné... Puis, tu sais, l'argument, Steve, de dire que, tu sais, de la NRA, puis de l'équipe Trump ou autre, ou les républicains, de dire que l'arme n'est pas l'acte, tu sais, c'est pas à cause de l'arme, mais c'est bien l'individu qui tient l'arme qui a causé ça, c'est vrai aussi pour le jeu. Donc, ah oui. Tu sais, c'est encore plus vrai pour le jeu, là. Là, on est rendu loin dans la chaîne alimentaire, là. C'est pas le jeu qui a pantoute qui a causé ça, là. Il reste que le gars aurait pu avoir des idées noires comme ça, puis pas avoir accès aux armes à feu, puis on n'en serait pas là. Ben, tu sais, puis en même temps aussi, si le gars avait pas d'armes, puis il est vraiment... c'est un dérangé là, qu'il y avait des projets comme ça aussi dangereux, aussi mal, aussi vilain. Il aurait trouvé autre chose pour faire du trouble quand même. Ça aurait pas été un gun. Il aurait peut-être rentré dedans en char. Il aurait peut-être arrivé autre chose. Le gars était armé. Ben, ce qui est certain, c'est... Steve, c'est que les professeurs armés vont tous régler ça. Ah oui, c'est grave. Sûrement, s'il y avait eu un gun, il l'aurait tiré. Et voilà. Mais enfin, donc, c'est sûr que je veux... Non, c'est touché. C'est ça. C'est un gros sujet, puis je sais qu'on pourrait en parler pendant presque un GF show complet, mais je l'ai au moins amené ça en disant que, en tout cas, c'est comme actualité, c'est à suivre, puis on aura l'occasion dans un autre GF show de rediscuter de l'aspect peut-être informatif de la chose, c'est-à-dire comment l'ESA a été accueilli par l'équipe Trump, puis qu'est-ce qui en retourne de ça, en espérant qu'il n'y a pas un bannissement quelconque ou des restrictions épouvantables qui vont nous toucher, nous aussi, demain, à ce niveau-là. Là. C'est ce que je souhaite ardemment. Je comprends quand même son point de vue proactif. Il y en a qui sont bien rapides depuis que Trump a commencé son mandat là, à le blaster, à dire du trop et tout. Mais je comprends en même temps que le gars aussi a un côté botte la canisse pour essayer de faire bouger les choses. Puis il a dit, garde, je vais aller rencontrer les gens du jeu vidéo, on va faire de quoi. Je comprends, j'apprécie quand même l'effort de vouloir discuter avec un peu tout le monde pour essayer de régler des patentes au lieu d'être juste le politicien basic. Qui va juste lire ses livres, puis la petite phrase politique. Ouais, parce que c'est pas le premier politicien. Parce c'est pas le premier politicien, puis même du côté démocrate, à juste lancer l'idée que c'est à cause des jeux vidéo. Là. Ça, c'est sûr que c'est pas le premier. C'est ça. Ouais. Ouais. Très bien. Steve, quelle serait ta deuxième actualité cette semaine? Ma deuxième actualité, ça concerne Bethesda, qui a confirmé, en fait, qui a annoncé qu'il y aurait une fois de plus cette année un événement après E3 qui va être le 10 juin prochain, avec une petite vidéo, là, toute choupignou, là, genre bricolage en papier. Comment ça s'appelait dans les scènes de mes poches là, qu'il y avait quand on était jeune? L'évangile en papier, ouais. Ouais, mais avec des jeux Bethesda. Tu sais, avec des personnages iconiques de tout ce qui est Bethesda, dans le fond, sans trop nommer rien, juste avec des petites images. Puis là, on s'est lancé dans les spéculations, les rumeurs. Il y a quelques jeux ici, j'avais sorti une liste de trucs qui avaient circulé un peu. Bon, Elder Scrolls 6, on peut pousser ça tout de suite. Ça a l'air que ça serait peut-être en travail, mais vraiment pas pour tout de suite. Côté des rumeurs, par exemple, on parlait peut-être de l'annonce d'un nouveau jeu mobile. Ça a l'air qu'il serait en préparation. On parle peut-être d'un nouveau Fallout Shelter. Peut-être le deuxième, le 1 était vraiment cool. Des rumeurs d'un prochain Doom, hein, un Doom 2, ça serait fort apprécié. Peut-être une date officielle aussi pour Quake Champions, qui est juste en accès anticipé. Est-ce qu'il va être lancé finalement sur console? Pour l'instant, pas prévu, mais on ne sait jamais. Peut-être un Fallout 4 sur Switch, ça m'étonnerait pas ben. Je serais assez... je serais pas surpris qu'il m'arriverait qu'un Fallout 4 sur Switch. Qu'est-ce que j'avais noté aussi? Dishonored en VR. Peut-être du contenu téléchargeable aussi pour Evil Within 2, Wolfenstein 2. Peut-être du contenu téléchargeable pour Prey aussi, parce qu'on a eu une vidéo, une news que j'ai faite la semaine passée sur Game Focus, où ce qu'on voyait le jeu Prey, que j'avais d'ailleurs bien aimé en 2017, qui parlait de la Lune, entre autres. Qu'est-ce qui se passe avec la Lune, nanana? Est-ce que c'est un DLC? Donc, il y aurait peut-être des rumeurs aussi de ce côté-là. On parle aussi peut-être des ajouts pour The Elder Scrolls Legend, le fameux jeu de cartes. Puis aussi pour Elder Scrolls Online. Fait qu'il y a ben de trucs qui s'en viennent. C'est sûr que là-dedans, c'est un peu plate dans toutes ces rumeurs slash semi-confirmations, annonces, patentes qu'on sait qui est en travail, il n'y a rien de neuf. Fait que c'est sûr qu'à part Doom 2, qui pourrait être peut-être, mais encore là, il n'y a rien d'annoncé. Puis ne pas oublier que c'est quand même l'éditeur de l'année, ce qui semble. Donc, ils ont le vent dans les voiles, donc peut-être... Ouais, ben c'est ça. Non, ça promet, puis évidemment, et je pense que tout le monde essaye un peu de sortir un peu du carcan 3 qui est submergé par tout, puis qui passe un peu à travers toute la miasse, là, le paquet de stock de news qui sortent en même temps. Fait que c'est correct qu'essayer de sortir un peu avant le 3, comme ils avaient fait un peu par le passé, justement, puis ça les avait bien servi, eux d'être enterrés à travers tout le reste, fait qu'ils ont leur petit moment, leur spot à eux autres un peu avant. Absolument. Fait que, on va suivre ça, c'est certain. Sans faute.
Steve, est-ce que tu fais partie de ceux qui avaient tenté l'aventure de For Honor, mais qui l'ont désisté dans les 2 à 3 premières semaines? Non, non, j'ai simplement été le gars qui a fait la bêta ou la démo là, qu'il y avait. Et qui en a eu assez. Ouais. For Honor. Je l'ai fait à 30$. Oui. For Honor, c'est ce jeu donc d'Ubisoft se déroulant dans un contexte un peu médiéval, mettant aux prises des barbares de toute race et de toute allégeance. C'est un jeu de combat, ni plus ni moins, mais dans un contexte drôlement quand même intéressant avec des maps pas trop grandes puis tout ça. Mais, malheureusement, c'est un jeu qui a été souillé. Et c'est la bonne expression, par des serveurs mal optimisés, donc des interruptions, etc. Donc ça a été une expérience pour plusieurs à oublier. Donc ce jeu-là, qui roule encore, ça bosse, c'est ce qui me surprend le plus, c'est qu'il y a encore du monde. Il y a des monde, événements ouais. encore. Ah oui, il y a des die-hard, il y a des gens qui n'ont jamais arrêté de jouer à For Honor. Mais là, on annonce enfin, ben, c'est commencé depuis aujourd'hui au moment d'enregistrer, que des serveurs dédiés sont maintenant ouverts pour Xbox One, PS4. PC, c'était déjà commencé de ce que j'avais cru comprendre, donc... Okay. Et ça marche bien. Donc, ce qu'on en dit, c'est qu'enfin, les lags, les interruptions, tout ça, c'est chose du passé. Donc, le jeu est maintenant fidèle à ce qu'il aurait dû être day one, quand il a été lancé. C'est un peu une incompréhension de ma part, puis peut-être pour plusieurs, que des jeux récents, donc ça a été lancé au début de 2017, puissent encore avoir ces problèmes-là aujourd'hui. Puis des jeux dont on demande quand même un prix important pour le jouer. Donc, se sont coulés eux-mêmes. Là. Comme on dit en bon québécois, ils ont tenu les poignées de leur tombe. Là. Assez, ouais. Assurément. Fait que voilà. Donc, si vous voulez replonger dans l'univers de For Honor, donc c'est disponible évidemment présentement. Le jeu est moins cher qu'il était. Puis là, il dispose de serveurs dédiés. Ouais. Quelle serait ta troisième actualité cette semaine? Ma troisième actualité, ça concerne une annonce qu'il y a eu aujourd'hui même, au moment d'enregistrer ce Game Focus Show, à Ubisoft qui est arrivé avec Far Cry 5 Arcade. Un mode de jeu de création pour créer ses maps, en fait, créer son environnement, un peu créer son jeu. Je trouve ça bien original, bien le fun. En fin de compte, c'est qu'on nous dit qu'on va un peu, tu sais, on ouvre le jeu. Il va être accessible, en fait, pendant le jeu Far Cry 5, tu vas pouvoir te promener, entre autres. Il va y avoir des posters à des places, des affiches qui vont te servir de pont direct ou d'entrée pour aller t'amuser comme ça dans le mode arcade de Far Cry 5. Je trouve ça vraiment cool. Avec un petit style, tu sais, genre 16 bits là, pour donner le cool, un arcade, ça vient accrocher l'œil. Puis là-dedans, en fait, on parle de plus de 9000 objets, en fait, que tu vas pouvoir utiliser pour créer ta map, tes environnements que tu vas vouloir faire pour t'amuser, dans le fond, en solo, sous forme de petits défis. Tu sais, genre, va sauver le gars qui est coincé dans un bloc là-bas. On voyait, entre autres, une démo que des gens ont pu le tester. Que c'était genre une maison, mais virée sans dessus-dessous, tu sais, les chaises au plafond, puis tout ça. Fallait que tu réussisses à survivre là-dedans, puis à te rendre jusqu'au bout. Et des trucs comme ça, tu vas pouvoir faire en solo. Du multijoueur, en fait, coopératif, que tu vas pouvoir t'amuser à inventer là-dedans, à faire dans ça. Ou des affrontements à 6 contre 6. Puis ce qui est cool aussi dans la création d'environnement ou de tes niveaux ou de tes tableaux que tu vas faire, Ubisoft a ouvert un peu les valves de toutes les un peu l'univers en général des jeux d'Ubisoft. Fait qu'on va retrouver là-dedans entre autres des objets ou des éléments de décor. Son, la banque d'images, ouais. Ouais, c'est ça, de Far Cry 4, Far Cry Primal, Assassin's Creed Black Flag, Unity. Après ça, on parle entre autres de Watch Dogs, des trucs un peu... J'en avais un autre aussi, je m'étais noté quelque part. Non, c'est pas mal, c'est ça. Mais ouais, c'est ça. Fait qu'on va piger un peu dans tous ces environnements-là. Fait que si tu veux avoir, mettons, un tableau entouré d'eau avec, je sais pas moi, des trucs de sable ici, puis là, whoop, un truc techno dans ce coin-là, tu vas pouvoir tout personnaliser, tout modifier, puis faire ça. Quand on pense déjà à la taille de ce qu'on peut attendre d'un Far Cry 5, l'immense environnement, la grosse histoire, puis tout ça, le développement, tout ce qui vient avec ça, les mercenaires qui viennent t'aider, puis ça. Puis en plus, un mode arcade complet comme ça, avec un truc de création du multi, je pense que point de vue, valeur, quantité, prix là, de ce que tu vas avoir pour ton achat. Des fois, quand on se dit, hein, tu payes 80$, puis tu as un jeu, tu le finis en 4 heures, pouf, c'est fini, puis hein, j'ai déjà fini, puis c'est tout. Ben là, à ton achat, il va y avoir du contenu. C'est sûr que si... Évidemment, il faut faire Cry 5 à base, soit un bon jeu. À date des premiers échos, c'est quand même très positif, mais là, bon, la version complète qui va sortir le 27 mars prochain sur PS4, Xbox One et PC n'est pas encore faite. Attendons de voir ça. Mais ça promet quand même, puis je trouve ça le fun qu'on rajoute plein de stocks de même.
puis ça soit pas juste un simple, garde, on fait un solo, on fait un multi, puis c'est ça. Des fois, tu sais, quand on dit, on met un multi pour mettre un multi, faites-moi juste un solo qui est bon, puis c'est tout. Mais là, non, on fait un genre de mode arcade turbo avec plein de trucs. C'est le fun. Ce qui est sûr, Steve, c'est que l'engine, le moteur derrière Far Cry ne faisait aucun doute sur ses capacités, hein. Et c'est fou ce qu'il peut faire avec ça. On l'avait vu avec Primal, avec, bon, on a toujours vu que ce jeu-là, il était capable de le transporter dans plein d'univers. Donc, t'avais vu le jeu rétro qu'ils avaient fait avec Max Power, machin, là. Oui. C'était toujours dans l'univers de Far Cry, mais style années 80. Néon, puis tout, là, ouais, c'est ça. Donc, ils sont capables. Le moteur est puissant. Maintenant, ils le remettent entre les gens de la communauté pour en faire quelque chose. Pourquoi pas? Moi, c'est sûr que c'est pas ce qui m'attire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un bon gameplay dans Far Cry 5 puis de le savourer comme un livre du début jusqu'à la fin. Mm-hmm. Mais cela dit, de replonger puis de s'amuser dans des trucs que les autres auront fait, pourquoi pas, là? Ben, je trouve ça le fun. Tu sais, comme je disais tantôt par rapport à, tu sais, quand on disait, il y a plein de jeux, des fois des jeux Android, n'importe quoi, qui peut se ramasser sur le eShop, tu sais. L'offre est là. Donc là, on a une offre de jeux comme ça. Tu veux passer plus de temps, tu as terminé ton Far Cry, tu veux t'amuser à faire autre chose un peu. À toi de le faire ou pas, dans le fond. Ben, c'est ça. L'offre est là, puis fais-le si tu veux. Fait que je trouve ça le fun. Puis en plus, ils ont dit que ça va être progressif, hein. Tu sais, ça va être lancé en même temps que le jeu, mais au fur et à mesure, ils vont rajouter des trucs. Tu sais, c'est ça. Il y a pas de limite. Sky is the limit, comme on dit. Qui sait, peut-être un tableau Game Focus un jour. Oh, ça serait cool, ça. Un labyrinthe fait en G puis en F. Par la communauté. Un gros F. Ouais, c'est ça. Par où faut que j'aille? Je ne sais pas où aller. Alors, Steve, ma dernière, c'est-à-dire ma dernière actualité. Donc, ben oui, c'est toi. Ben oui, c'est moi. Sujet donc léger, mais drôlement intéressant. On sait que le 3 2018, ça s'en vient. C'est autour du 12 juin cette année, toujours à Los Angeles, la grande messe du jeu vidéo. Donc, les rumeurs commencent dès maintenant et la plus, je dirais, persistante tourne autour de la PS5, donc la PlayStation 5. Alors, aujourd'hui, on a publié un article, un blog dans lequel, c'est un commentaire de ma part dans lequel je mentionne que ce serait à propos pour Sony, donc, de dévoiler ou d'annoncer ses intentions face à la PS5 dès cette année à l'E3. Alors, la question, c'était pourquoi faire ça maintenant? La réponse, vous pouvez aller lire l'article, mais en gros, la réponse, c'est tout simplement de briser le momentum établi par Microsoft et sa Xbox One X qui se vend très bien, en fait. La console se vend vraiment bien. Pour tous ceux qui ont acheté moindrement un téléviseur de bonne qualité, veulent pas attendre dans 2 ans, veulent jouer maintenant pour en tirer profit. Bon, on peut les comprendre, bien sûr. Donc, de simplement annoncer à cette étape-là de la course qu'une console PS5 s'en vient et de lancer des specs et juste des idées de ce qu'elle peut faire pourrait carrément freiner les ventes d'Xbox One X. Parce qu'on sait, la PlayStation est premier, donc la PS4 est première en ce moment. Et c'est important pour peut-être Sony de briser le momentum, de donner un petit coup dans les genoux de côté. Ça court moins vite dans ça. Tu vois l'image. Là. Oui. Donc, voilà, c'est l'idée. Et tout ça combiné au fait que Michael Pachter, donc ce sympathique, coloré analyste qui ne manque pas une occasion de donner son opinion sur le web, avait déjà dit l'an dernier, avait établi 2019 comme étant l'année de lancement. Évidemment, il sait pas plus que moi pis toi, là, j'imagine. Mais son raisonnement était que lorsque les ventes de télé 4K auraient atteint 50% de part de marché, ce serait le moment idéal pour Sony de lancer sa prochaine console, donc de la commercialiser. Donc, pour la commercialiser, il faut l'avoir annoncé avant, bien sûr, il faut l'avoir commencé avant. Donc, le raisonnement, tout ça nous place exactement dans une plage où on pourrait annoncer dès le mois de juin clairement nos intentions. D'autant plus que la PS4 Pro, honnêtement, ça rame. Si, je sais pas si t'en as une ou pas, là, mais... Non, j'ai la standard. C'est ça. Moi, j'en ai une, puis clairement, quand j'ai le choix de jouer un jeu 4K, c'est pas sur la PS4 Pro que je vais décider de le faire. Je vais l'acheter sur Xbox One X. Mm-hmm. Clairement, on voit que ça rame, c'est juste correct, là. C'est le plan B, là. Ouais. Clairement. Donc, voilà. Donc, toi, tu y crois, une PS5 annoncée en juin, puis une sortie en 2019?
Ouais, c'est sûr qu'en juin, je m'attendrais plus à un genre de fin de conférence avec un logo. Là. De quoi de je modeste, pense pas qu'on un aurait... teaser. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, c'est ça. Je m'attends pas à des specs, puis checker la manette, c'est quoi, puis tout ça, là, pas prendre tout. Mais même ça, c'est probablement suffisant. Ouais, c'est juste marqué PS5, un logo, parce qu'on sait qu'ils sont en train de travailler dessus, ils n'ont pas besoin de faire une conférence, puis garder 10 minutes pour nous dire qu'ils travaillent dessus. Là. On le sait, là, ils sortent une console, puis ils travaillent déjà à la prochaine. Là. Mais juste un logo à la fin, puis tout, je m'attendrais un peu à ça. Oui, je pense que c'est crédible, mais pas cette année, le lancement. Ils ont quand même, comme tu disais tantôt, le double des consoles vendues par rapport à la Xbox One, même si la Xbox One X se vend bien. Ils ne montreront pas à 80 millions de copies vendues. Là, là. Mais d'attendre 2 ou 3 ans serait ridicule. Là. Ils vont perdre du marché, ouais. Là, rendu là. Non, c'est ça. Ouais. C'est ça. OK. Ouais. Assez pour le bloc des actualités. On fait une courte pause et de l'autre côté, on attaque les sorties jeux de la semaine. Un bloc qu'on n'a pas eu, Steve, depuis tes depuis ta dernière apparition au Game Focus Show. Yes. Donc, voilà, on se retrouve dans quelques secondes. Yeah. That body's a blessing, girl. I ain't trying to pressure her. She messed with the temperature. I wrote the song, but I am the messenger. Alors voilà, c'est le moment de retrouver mon collègue encore une fois, cette fois pour le bloc des sorties jeux de la semaine. Alors, Steve, parle-nous donc de quelques titres intéressants à ne pas manquer cette semaine. Oui, on souligne entre autres le lancement de Scribblenauts Showdown, qui débarque à PS4, Xbox One et Switch. Mais ça me semble pas quelle version PC de ce jeu-là. En fait, un nouveau Scribblenauts qui a l'air super beau, super le fun, puis tout, bon, qui est lancé cette semaine. Ensuite, on a Flint Hook, qui débarque enfin sur Switch. Hein, il avait été lancé, au printemps 2017 sur les autres plateformes, développé par Tribute Games à Montréal. Donc, enfin disponible sur Switch cette semaine. On a Final Fantasy XV. Oui, FF15 Royal Edition, qui arrive sur PS4 et Xbox One, qui est en fait la version complète, avec tout le stock dedans, les DLC. On parlait entre autres aussi d'un nouveau donjon, un mode en vue à première personne. Un peu comme ils ont fait, hein? C'est Nicolas qui parlait l'autre jour, je pense, de Evil Within, qui avait un mode de première personne. On a aussi Final Fantasy XV, Windows Edition, qui arrive sur PC enfin, hein? Oui, la version PC de FF15, avec un paquet de trucs, puis qu'on nous parle aussi, entre autres, hein, qu'il va pouvoir faire du 4K, puis même du 8K. On parlait de 4K natif, puis même pousser jusqu'à 8K. Fait que, ça va être beau, hein? Après ça, Fear Effect Sedna, le jeu de rôle issu d'un projet Kickstarter qui débarque sur la plupart des plateformes. Et puis finalement, Darwin Project, qui est un jeu d'action survie / Battle Royale développé à Montréal par les gens de Scavengers Studio, qui est lancé en accès anticipé sur PC et Xbox One. Fait que ça va être à essayer cette semaine, je pense qu'il sort le 9 mars précisément. Darwin Project, on va voir comment il va s'en sortir à travers tout ça. Le jeu semble fort intéressant, ça se passe dans le Nord. Jetez un œil là-dessus, fait que c'est pas mal ça pour les sorties jeux cette semaine à surveiller. Merci, cher collègue. Dans quelques secondes, le dernier bloc de ce Game Focus Show, c'est-à-dire le bloc jeu. Alors, Steve, dans le bloc jeu cette semaine, ben la parole est à toi, l'invité de cette semaine. On met le on braque le focus sur toi. En fait, j'ai quand même joué à certains jeux, mais comme ce sera ma critique cette semaine, entre autres, c'est Monster Hunter, donc le plus récent sur PS4. Je veux pas en parler ce soir parce qu'on va j'ai une critique à enregistrer uniquement pour ce jeu-là avec notre collègue Francis. Donc cette semaine, tu nous parles d'un jeu que tu as joué, puis j'ai trouvé ça intéressant comme propos quand on se préparait. Donc je t'écoute. Oui, il s'agit de Radiation Island, un jeu qui avait, entre autres, hein, tu peux l'avoir en mobile. Tu parlais tantôt justement de jeux Android vendus plus cher et tout ça. Ben lui, il est vendu à 11$, OK, sur un Nintendo Switch. Un jeu à la première personne, même malgré qu'il y a un petit piton, tu peux buzzer dessus, puis être à la troisième personne. Tu sais, quand je parlais un peu la semaine dernière sur Game Focus, j'ai fait la critique du jeu Earth Wars. Mm-hmm. Je disais que c'est un hidden gem, hein, tu sais, vendu 6$. Puis il y avait 8/10, qui était vraiment cool. Mais c'est un peu le même principe avec Radiation Island. C'est un. C'est pas le même genre de jeu pantoute, mais c'est le concept d'un hidden gem. C'est un jeu en monde ouvert, OK? Trois grosses îles principales avec une petite île centrale. Où est-ce que tu es lâché lousse complètement? On parle un peu de l'ambiance. On sait que c'est un genre d'univers parallèle, très, très mystérieux, très bizarre. Fait
Fait que genre de monde ouvert pour situer un peu visuellement, genre de Far Cry. Ces beaux paysages comme ça dans le style de Far Cry, création un peu de tes, ben création de tout, un peu comme d'un Dragon Quest Builders. Puis il y a une ambiance mystérieuse comme la série Lost. Fait que tu te ramasses un peu là-dedans, go survie dans un jeu vraiment particulier où ce que c'est de la vraie survie, OK, il faut que tu fasses tout de A à Z. Tu vas lutter entre autres contre les environnements, parce qu'il y a des effets météo, tu sais, il y a la pluie, les éclairs, il fait beau, il fait frais, n'importe quoi. Il fait frais d'ailleurs la nuit, il faut que tu fasses un feu pour te réchauffer. Ah bon? Faut que tu fais ton linge, tes armes, n'importe quoi. Ça te prend du bois pour construire quelque chose, tu vas te faire une petite masse avec une roche pour aller péter des arbres, tu vas faire des bois, tu vas faire un coffre, tu vas faire n'importe quoi, ton armure, tu vas tuer un crocodile, tu vas faire un saut, n'importe quoi, tout. Mais à travers ça, en plus, ben, il y a des zombies. Il y a des tests en laboratoire, il y a quelque chose de bizarre qui s'est passé, puis il y a un truc de champ électromagnétique, des genres de tours qui est un peu partout, sur chaque île. Tu vois, une genre de carte proche de ta maison principale quand le jeu commence. Là, il y a des tours à les désactiver avec des éclairs. Faut-tu réussir à t'approcher assez proche de ça, les désactiver, là, elle va redescendre dans la terre. Puis, whoop, tu vas l'attaquer la prochaine tour, puis ainsi de suite. Puis débloquer ultimement en voyageant sur l'île puis en marchant. Tu sais, quand tu réussis à équiper pas pire, tu as réussi à te faire un arc avec une branche, une corde que tu as pris du tissu sur un zombie, que tu as tressé pour faire une corde, pour te faire trois flèches. Puis t'as réussi à trouver un gun, t'as réussi en ramassant du soufre, t'as fait fondre du plomb, t'as fait des lingots de plomb, puis du charbon, puis t'as fait des balles. T'as trois balles de fusil, mettons, puis t'as quatre flèches. Puis let's go, je pars à l'assaut de réussir à avoir accès à la maison là-bas, qui va être mon point de téléportation, de transit, tu sais. Un coup que t'es, parce que l'île est quand même super grande, le monde est immense, t'as même un deltaplane un peu partout dans la map que tu peux prendre quand tu grimpes sur le top d'une montagne, là. Puis là, tu vas avoir accès, mettons, OK, à une autre maison qui est un point de transit sur l'île, puis ça va te servir de téléportation. Fait que ça, c'est super pratique. Donc, tu contrôles des zones. Même pas. Tu as juste accès en voyage instantané à ta prochaine maison qui est sur l'île quand tu t'es rendu là à pied ou en deltaplane, mettons. Fait que, mettons qu'il y en a, mettons, sur une île, il y en a 5-6 maisons, il y en a même 5-6 points de transit où tu vas pouvoir te téléporter quand tu l'as découvert. Mais avant ça, tu peux pas, faut juste que tu marches, tu te rendes là sans mourir, sans te faire infester par un virus de zombies parce qu'il y en a un qui t'a graffiné. Qu'est-ce qui se passe quand tu meurs? Tu reprends où? Tu reprends à ton point de transit, justement, à ta maison que tu avais découvert. Mais l'arme que tu avais dans tes mains, tu l'as perdue. Oh. Fait que, tu sais, quand tu as réussi à te faire, moi, j'ai une super belle machette, OK, faite en titane. Puis, quand je me fais tuer, oucher, mettons qu'il y a un ours qui arrive sur moi, puis oh merde, je suis dans le chenoute, je me promène avec un bâton, puis je me dis, OK, pire, si je crève, j'aurais pas besoin d'aller ramasser mon bâton que l'ours a gardé avec lui, tu sais. Parce que tu peux aller ramasser ton arme que tu as perdue. Fait que, cette espèce de. Au début, OK, je te dirais, les premières 45 minutes, une heure, je regrettais un peu. Tu sais, oui, il est pas cher puis tout, mais le jeu, quand même, plein de bugs. OK, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de bugs dedans. Comme? Tu sais, mettons, t'es en haut d'une montagne, puis là, il y a trois ours qui veulent t'attraper, mettons, mais là, il essaie de monter la montagne, mais on dirait que le pixel ou la programmation de l'ours peut pas monter au 45. Fait qu'il monte toujours à l'horizontale. Fait qu'il y a comme, mettons, les pads en arrière qui touchent pas. Il est pas capable de monter, fait qu'il flippe. Ou des affaires qui passent à travers les murs. Le joueur ne remarquera pas. Non, c'est ça, c'est pas grave. T'sais, j'espère au moins que les développeurs vont se rendre compte, si les gens embarquent un peu dans ce jeu-là, que ça vaudrait la peine de travailler sur une grosse rustine, une grosse patch, puis peaufiner ça un peu. Parce que, tu sais, des fois, tu te dis, c'est tellement, tu sais, il vient à un certain point, un ami qui m'a parlé, entre autres, que lui, s'est rendu une place, qu'il y a des, parce que dans ça, il y a des gens de scientifiques fous, là, tu sais, qui travaillaient sur l'île, parce qu'il y a plein de petits livrets cachés à des places qui t'expliquent un peu qu'est-ce qui est arrivé. On hôtesse, on chier, il est arrivé de quoi, puis là, le boss est devenu fou. Il disait qu'il y avait, entre autres, des scientifiques, mais tu sais, gens qui sont hauts comme, au moins 200 pieds de haut, qui veulent te bouffer à face, avec des seringues, puis tout, puis tu rentres dans des villages, des fois, t'as juste ton rêve. Il y a plein de zombies partout, mais tu sais, il y a tellement de trucs là-dedans, puis de fucker, tu sais, il y a une brume noire à un moment donné qui se promène un peu comme dans l'os, la boucane noire, là, ça te touche, t'es dans le chenoute, ou la nuit, la nuit, il y a plus de zombies, ou il y a plus de babites, mais il n'y en a pas 28, là, il y en a genre 3, avant il n'y en avait pas, ou il y a une nuée rouge de trucs radioactifs qui va te tuer. Faut pas que tu t'approches, mais c'est juste un nuage qui est là, tu sais. Fait que si tu y touches pas, t'es correct, tu vas survivre. Mais est-ce que tu découvres une forme d'histoire ou c'est du gros n'importe quoi qui est pitché tout croche, hein, random? Non, il y a une histoire là-dedans quelque part. C'est sûr que c'est dans la lecture, dans les livrets que tu vas trouver, mais il y en a pas beaucoup. Tu sais, là, je sais pas, moi, il y en a un là, tu vas marcher, mettons, je sais pas, moi, 3 km, à un moment donné, tu vas en trouver un autre. Il y a pas tant de trucs que ça qui va t'expliquer. Mais assez pour maintenir un mystère.
Puis il y a un truc bizarre. Et tu trouves, mané, un genre de téléporteur. Tu vois qu'un avion ici qui s'est crashé, il y a un livre qui est resté dedans. Là, t'apprends, oh, il a essayé de quitter l'île ou il a essayé d'atterrir, puis il a tombé là, il est arrivé quelque chose. Fait que malgré toutes les bugs puis les trucs qu'il y a dans ce jeu-là, tu viens que tu t'attaches à ce jeu-là. Comme je disais tantôt, tu sais, après la première heure, j'étais vraiment pas sûr. Mais là, quand tu commences à développer un peu des skills, avoir un armement qui a de l'allure un peu, tu t'es fait un manteau en peau de crocodile, puis un chapeau en tête d'ours, puis des bottes en pied de loup, puis t'as une lance, puis t'as 5-6 flèches, puis tu commences, ah, je vais essayer d'explorer un peu plus, puis avancer un petit peu plus loin. Mais c'est très, très difficile, mais c'est très récompensant, puis c'est le feeling d'être ouvert, dans un monde ouvert comme ça, pour ce prix-là, pour 11 piastres, c'est assez impressionnant pour tout ce qu'il y a à offrir. Puis en même temps, outre, je vais finir avec ça, tu sais qu'on parlait tantôt des bugs aussi, le jeu, t'es dans les plaines, c'est super beau, mais pas super, super beau. Tu sais, c'est beau, correct. Puis comme on m'avait dit, puis qui m'a bien fait rire, on dirait que les développeurs ont tout mis le budget sur le soleil. Le ciel puis le soleil, là, c'est hallucinant comme il est beau. Les levées de soleil il y a le matin, tu sais, des lens flares, tu sais, comme on dit. Oh, ouais. Le rayon de soleil qui pète dans le coin de l'œil, c'est super beau. Là, t'es en haut d'une montagne, tu t'attends à voir Belle et Sébastien ou quelque chose. Les vallées avec le vent, d'un feuille dans le gazon. Là, t'as le gros soleil avec les oiseaux puis les nuages, c'est super beau. Vraiment impressionnant, là, tu sais, j'ai posté quelques photos sur mon Twitter, c'est vraiment nice. Mais mettons, tu montes en haut de la montagne, puis là, les oiseaux que tu voyais, ils vont passer à côté de toi, ils ont de l'air à des boomerangs, là, tu sais, qui bougent mais pas vraiment. Mais le soleil est beau. Mais le soleil est écœurant, tu sais. Fait que c'est ça, c'est vraiment pas parfait, mais pour ce prix-là, je vous invite à y jeter un œil, c'est vraiment étonnant quand même, puis fiez-vous pas aux screenshots, les screenshots sont encore pires. Ils ont mis quelques photos, je sais pas pourquoi, là. Tu sais, tu veux vendre ton jeu, même s'il est vendu pas cher, force un peu. C'est comme quelqu'un qui veut vendre une maison, là, puis il prend une photo avec son téléphone de 2005. Avec les poubelles qui débordent sur le bord de la rue. Ah, c'est ça, tu sais, donne-toi une chance. Là. Les photos qu'ils ont mises sur le e-shop, ça aide pas pantoute. Là. On dirait que quelqu'un les a dessinées, puis regarde, papa, j'ai fait un dessin de ton jeu. Ça ressemble un peu à ça, là, tu sais. Fait que donnez-y une petite chance quand même. Je ferai peut-être une critique à un moment donné, je sais pas, Marie, j'ai déjà quand même parlé pas mal. Mais c'est surprenant. C'est bon, rappelle-nous cool, le nom encore. Radiation Island, donc l'île de la radiation. L'île de la radiation, oui. Sympathique comme ça, mais c'est vraiment particulier. C'est vraiment, c'est quelque chose. OK. Steve, ce fut un plaisir de te retrouver cette semaine sur ce GF Show. Je sais pas quand va être le prochain. On va découvrir ça ensemble. Vous tous à la maison, ben encore une fois, merci d'être là, encore présent. Puis si vous écoutez notre émission à partir de YouTube, abonnez-vous. On approche du 1000 membres. Ça serait intéressant de le frapper prochainement, que vous soyez du Québec, de la France, de la Belgique, bref, de n'importe où il y a un petit peu de français. Pourquoi pas. Alors voilà, merci Steve. Et vous tous à la maison, on se retrouve prochainement pour un autre GF Show. Bye bye tout le monde.